Salut, c'est Last Angel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Ghost Recon Wildlands, puisque vous êtes assez nombreux à me demander de nouvelles vidéos sur Ghost Recon Wildlands et que je suis là pour vous faire plaisir, entre guillemets, et pour me faire plaisir, bien sûr, aussi, et surtout pour vous donner le plus d'éléments possible sur le jeu de façon à ce que vous en sachiez un maximum et que vous ne soyez pas déçus lors de la sortie du jeu, que vous sachiez véritablement à quoi vous attendre. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter ce qu'est une équipe Ghost. Et puis de vous présenter les différents archétypes de personnages qui joueront avec nous quand on jouera en solo. Et ça vous permettra aussi d'avoir des informations sur le background du jeu, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors, les Ghosts sont une équipe d'élite d'opérations spéciales. C'est la première unité déployée dans des situations dangereuses et la dernière également à évacuer quand les choses dégénèrent. Ils sont des militaires aguerris qui opèrent en équipe. Je vous ai vraiment mis l'accent dans une des dernières vidéos que je vous ai fait sur le travail en équipe, et ils opèrent dans des environnements hostiles avec toute latitude pour accomplir leur objectif. C'est-à-dire que, en clair, ils ont le droit de vie ou de mort. Ils décident qui doit vivre ou mourir. Ils n'ont aucun compte à rendre à personne. On les envoie faire une mission et c'est eux qui décident des moyens, des méthodes à accomplir, aussi immorales peuvent-ils être. On les envoie pour ça, pour réussir leur mission avec toute l'attitude dont ils ont besoin. Les Ghosts sont une équipe d'action directe composée de la fine fleur de l'armée américaine, rigoureusement sélectionnée parmi les vétérans des unités spéciales interarmées. Il ne s'agit pas d'un individu isolé, encore une fois, c'est du travail d'équipe. Il ne s'agit pas donc d'un Jack Bauer qui va aller sauver le monde à lui tout seul, mais bien d'une équipe qui doit opérer de façon soudée pour accomplir l'impossible la plupart du temps. Pour eux, les félicitations, les médailles ou la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, c'est un aveu d'échec. Parce que pour eux, ce sont des ghosts, ce sont des fantômes, ils n'existent pas. Quand ils opèrent dans les paramètres de leur mission, les ghosts ne sont qu'une rumeur qui circule parmi les ennemis qui doivent être terrifiés à l'idée de les rencontrer. Ils restent tapis dans l'ombre sans chercher à s'attribuer le mérite de leurs actes. Voilà, maintenant on passe aux individus. On va commencer par Nomad. Donc Nomad, c'est un Américain âgé de 36 ans, de son vrai nom Anthony Perryman. Son rôle, c'est un soutien. Ses compétences, il parle couramment l'espagnol, c'est un expert en transmission, en guerre psychologique et en guerre non conventionnelle. C'est également un spécialiste en armement. Lors de son briefing initial, Nomad a visionné des séquences de surveillance montrant El Sueno en train d'exécuter froidement la famille d'un agent de police bolivien. Profondément hanté par ces images, il s'est juré de tout faire pour arrêter El Sueno. Alors on passe maintenant à l'historique de Nomad. Nomad est né à Boston de parents militaires. Nomad a passé son enfance ballotté de base en base. À sa majorité, il a décidé de s'enrôler et intégrer la Delta Force dès ses 24 ans. Déployé 3 fois dans l'unité contre-terroriste Task Force 88, il a ensuite été sélectionné en raison de ses états de service plus que remarquables. Nomad a participé à de nombreuses opérations top secrètes aux quatre coins du monde, mais il n'est Ghost Leader que depuis 2 ans. Côté personnalité, Nomad reste d'un calme olympien, même sous pression. C'est l'archétype de la force tranquille, capable de rester d'une objectivité totale en toutes circonstances. Ses anciens coéquipiers disaient de lui, en riant, qu'il devait lui prendre le pouls pendant les sauts en parachute pour vérifier qu'il était encore en vie. C'est-à-dire si le mec, il est stoïque. Anthony Perryman, alias Nomad, est donc le leader de l'équipe Ghost. C'est lui qui prend les décisions cruciales. Le chef du bataillon de l'armée américaine, il a été formé à tirer parti des compétences de ses hommes pour mettre toutes les chances de victoire de son côté. Nomad a 36 ans au moment de son déploiement en Bolivie, il est expert en transmission ainsi qu'en guerre psychologique et non conventionnelle. Il parle, comme je vous le disais un petit peu plus avant, espagnol, des talents qui lui seront indispensables au quotidien dans ses missions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, vous en avez appris un peu plus sur les Ghosts. Là, on a pu découvrir, enfin je vous ai fait découvrir le leader de l'équipe Ghost. Et dans la vidéo suivante, je vous ferai découvrir les 3 autres membres de l'équipe Ghost. Voilà, alors je vous rappelle que ce sont que des archétypes. Vous pourrez bien évidemment créer votre propre personnage. Là, c'est le background en fait des gens qui joueront avec nous quand on sera en solo. Quand on sera en solo dans le jeu, on pourra jouer avec Nomad et puis les autres qui nous serviront de bots. Et quand on sera dans le multijoueur, on aura notre quand on sera en coopération ou en multijoueur, on aura notre propre perso qui aura été créé. Mais il me semblait intéressant de mettre un petit peu
le background du jeu en avant et les personnages, vous les présentez. Alors, je vais commencer par vous présenter évidemment les personnages de l'équipe Ghost, et puis après, je vous présenterai les personnages méchants ou pas méchants, ou on verra au fur et à mesure des vidéos. Bien sûr, je vous ferai aussi des vidéos sur le jeu à nouveau. Pour le moment, il n'y a pas grande nouveauté sur Ghost Recon, donc on va se cantonner un petit peu au background. Il n'empêche que dès que j'ai des infos supplémentaires sur Ghost Recon, je vous fais également des vidéos dessus. Alors on parlera aussi d'autres choses comme de la balistique, comme de choses comme ça. Des vidéos viendront s'intercaler entre les personnages et ce type de vidéos pour également aborder d'autres aspects du jeu. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez appris quelques petites choses intéressantes. Si c'est le cas et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est très important pour moi pour le référencement sur YouTube. Pour information, vous êtes en moyenne, c'est même pas une moyenne, sur 274 personnes qui visualisent une vidéo, il y en a une qui fait un partage, donc ça serait un peu cool de se bouger un peu le cul les mecs, s'il vous plaît. Merci. Allez les gars, je vous donne rendez-vous à la prochaine, et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Allez, bye.